Nous prendrons pour première lecture le psaume 35, du verset 1 au verset 7. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma ville, à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Et pour notre seconde lecture, ce texte que nous devrions tous connaître par cœur, mais qui évidemment nous frappe à chaque fois par sa force fulgurante, je veux parler des béatitudes dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et enfin, troisième lecture, par goût de la provocation, et puis poursuivre sur ce plan Jean-Jacques Rousseau, l'épître de Jacques, au chapitre 2, du verset 14 au chapitre 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi qui as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres ? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
pardonne-moi, le cantique. Le cantique, pardonnez-moi, je ne suis pas un très bon pasteur en fait. J'ai pas l'habitude. Le cantique 214, strophe 2-3. Seigneur, aide-nous à être chrétiens, à être sincèrement chrétiens selon la doctrine de l'Évangile. Nous sommes tous appelés également à être des disciples de Jésus-Christ. Il nous a enseigné que l'amour de Dieu et l'amour du prochain étaient bien la loi et les prophètes. Il est consolant et doux d'être parmi les siens et de se dire « Je suis avec mes frères. » Frères et sœurs, je voudrais d'abord rassurer ceux d'entre vous qui risqueraient d'être encore surpris. Ce n'est pas l'Évangile selon Jean-Jacques que je viens vous annoncer, pas même l'Évangile selon Jean Calvin, mais bien l'Évangile de Jésus-Christ. Seulement, étant un peu historien, je connais d'expérience la valeur inestimable des siècles passés et des témoignages. À la faveur de quelques commémorations récentes, l'édit de Nantes et sa révocation, la Révolution française, ou pour les individus les plus notables, Jean Calvin et Jean-Jacques Rousseau,
ont effectué leur retour parmi nous. L'on ne peut que s'en réjouir, à condition toutefois de ne pas sacrifier au mythe ni à la tentation toujours perverse de l'héroïsation, voire encore pire, de la canonisation. Le dossier Jean-Jacques Rousseau présente un énorme intérêt. Né à Genève, baptisé à la cathédrale Saint-Pierre, passé quelque temps par le catholicisme, tombé amoureux de sa protectrice, passé par le catholicisme, il a laissé d'innombrables témoignages sur sa vie intérieure, ses états d'âme, ses convictions, jusqu'à sa rétro-conversion au protestantisme, religion de ses pères, en 1754. L'histoire, comme la sociologie religieuse, sont en un sens les genres les plus frustrants. Si l'on peut définir une doctrine, cerner une pratique à l'aide de quelques indices, il est difficile d'établir véritablement la foi d'un groupe ou encore celle d'un individu. Les confessions de foi collectives, on le sait d'expérience, n'épuisent jamais les confessions de foi individuelles. J'ai renouvelé cette expérience aujourd'hui encore en choisissant comme confession de foi quelques lignes de la superbe lettre de Jean-Jacques Rousseau qui commence par ces mots provocants que je ne vous ai pas lus tout à l'heure pour ne pas en ajouter encore la provocation à la provocation. Pourquoi faut-il, Monseigneur, que j'ai quelque chose à vous dire ? Mais revenons à cette question de l'histoire religieuse et de sa boîte à outils, comme disent à l'heure actuelle nos politiques, toujours en quête de métaphores. En matière de pratique, on parle par exemple de catholiques pascalisants ou de juifs de Kippour, mais il n'y a pas véritablement d'équivalent dans le peuple protestant. La formule de catholique non pratiquant a fait fleuresse. « Je suis catholique non pratiquant » entend-on régulièrement. Plus rarement, « Je suis agnostique pratiquant ». Mais enfin, mais que serait du reste un protestant non pratiquant, sinon peut-être un non cotisant ? Je crois que vous tenez votre assemblée annuelle aujourd'hui. Il y a quelques années, en étudiant Cromwell ou Calvin, j'avais lancé l'hypothèse d'une histoire de la foi, pour déplorer que la foi soit l'objet non identifié de l'histoire religieuse. Or, Rousseau, et c'est là l'un de ses intérêts, a passé son temps à confesser sa foi, ses croyances, ses convictions, avec parfois une certaine complaisance, il faut bien le dire, quitte à se laisser abuser lui-même et à abuser ses lecteurs, par les multiples difficultés de cet exercice intime. Sa foi chrétienne est celle d'un hétérodoxe, je crois qu'on s'en est aperçu. S'il passe la majeure partie de sa vie dans la France de Louis XV et de Louis XVI, il y demeure doublement étranger. Il est genevois, citoyen de Genève, comme il le déclare fièrement, et il est protestant, et donc dans l'incapacité d'avoir un état civil, à moins de sacrifier au rite de la confession romaine, c'était la situation évidemment, dans la France d'Ancien Régime. Cette double originalité de Rousseau se retrouve dans ses œuvres, et je souhaiterais en extraire une ou deux pistes qui aident notre réflexion en m'inspirant entre autres du dossier Rousseau que l'oratoire a consacré au personnage il y a un an et qui était sur vos présentoirs il y a quelque temps encore. Mais s'il revient à la religion de ses pères, s'il ne manque pas de participer publiquement à la Sainte Cène quelques années plus tard, en courant les sarcasmes des philosophes, Jean-Jacques professe désormais en son âge mûr une variante hétérodoxe du protestantisme réformé. Il exprime par exemple quelques réserves sur la validité ou la cohérence même de l'Écriture. Il dit au passage, « Nous ne respectons pas précisément ce livre sacré comme livre, mais comme la parole et la vie de Jésus-Christ. Le caractère de vérité, de sagesse et de sainteté qui s'y trouve
nous apprend que cette histoire n'a pas été essentiellement altérée, mais il n'est pas démontré non plus qu'elle n'a pas été un petit peu. Qui sait si les choses que nous y comprenons ne sont point des fautes glissées dans le texte ? Qui sait s'il n'y a pas, en quelque sorte, un texte qui, dans le fond, n'est pas totalement conforme à l'enseignement originel du Christ ? Et Rousseau, à ce moment-là, propose d'en revenir, évidemment, au sermon sur la montagne, aux béatitudes, comme nous l'avons fait nous-mêmes tout à l'heure. Jésus ignoré, pire encore, Jésus oublié, voire Jésus falsifié. Comment fonder, selon Rousseau, une authentique critique des textes, on est quand même au XVIIIe siècle, attentive aux aléas de la transmission ? C'est dans les œuvres de Rousseau que l'on trouvera les éléments d'une confession de foi profondément originale et en tout cas iconoclaste. Calvin, nous dit Rousseau, était un grand homme, mais enfin, c'était un homme et qui pisait un théologien. Et donc on voit Rousseau professer un certain scepticisme envers le christianisme de Paul et la justification par la foi, et disons les choses carrément, en revenir effectivement à l'épître de Jacques que je me suis permis de lire tout à l'heure en extrait. Visiblement, et c'est là ce qu'il se distingue, Rousseau préfère Jacques, frère du Seigneur, et son épître de Pâques à l'apôtre Paul et à son épître aux Romains. L'aide du catholicisme et de ses vertes années, peut-être, une religion des œuvres, se substitue chez lui à la justification par la foi. Un christianisme, voire un protestantisme non paulinien, sont-ils envisageables ? C'est une question que je vous pose, je ne fournirai pas de réponse, mais je pense qu'elle mérite au moins d'être envisagée. Autre piste non moins fructueuse à la lecture de Rousseau, celle de la laïcité. J'aurais envie de dire que si l'on parle souvent de laïcité, parfois de façon un peu rapide du reste, on oublie parfois, voire souvent, la participation des croyants à cette définition de la laïcité elle-même. La laïcité, contrairement à ce que l'on entend parfois, n'est pas extérieure à la culture chrétienne, voire aux cultures religieuses au pluriel, la laïcité s'est élaborée au sein même de la culture chrétienne. Et ajouterais-je, les protestants ont souvent été parmi ses meilleurs défenseurs, du moins l'ont-ils longtemps été, avant que des sirènes européennes, celles-là, n'appellent au retour d'une nouvelle cléricature. Il n'y a pas de politique chrétienne, selon Rousseau. Ou du moins, il y a la politique et il y a la religion. C'est à Machiavel qu'il doit cette dissociation, au Machiavel républicain toscan, auteur des discours sur Tite-Live. Il est tentant d'opposer, comme on le fait souvent, un Rousseau géniard et égocentrique, un Voltaire homme d'action, sorte de préfiguration de ce qui deviendra de Zola à Sartre ou à Malraux, l'intellectuel engagé. Comment ne pas évoquer ici le magnifique, l'admirable combat de Voltaire en faveur des protestants ? L'affaire Calas lui permet de mettre son immense talent au profit d'une cause judiciaire célèbre que je ne vais pas ici vous rappeler. Or, au moment précisément où Voltaire prend la plume pour défendre Calas, Rousseau est un proscrit. Loin d'être indifférent au sort des réformés depuis la révocation de l'édit de Nantes, le protestant Rousseau n'avait pas manqué d'exprimer sa solidarité envers ses coreligionnaires, en particulier lors de son retour à la religion de ses pères, dont il est question depuis tout à l'heure. En avril 1762, le contrat social est publié à Amsterdam, l'Émile sort le mois suivant à Paris, le Parlement de Paris condamne l'Émile pour avoir défendu, et c'est très intéressant ici parce qu'on voit combien c'est l'antiprotestantisme là aussi qui s'exprime, des principes impies et détestables, et, je vous cite, « en soumettant la religion à l'examen
de la raison, ce qu'il apparemment il ne faut jamais faire. Pour n'un maître de vérité et de dogme, qu'autant qu'il plaît à l'esprit livré à ses propres lumières, ou plutôt à ses égarements, de les recevoir ou de les rejeter. C'est bien là la définition du libre examen, qui n'est malheureusement pas, comme on le croit parfois, un principe remontant à la Réforme, mais une avancée de la théologie libérale. Il n'y a pas de libre examen chez Calvin, j'espère ne pas vous attrister en vous disant ça. Rousseau s'enfuit de France pour ne pas subir le sort de Calas, qu'il a constamment à l'esprit. Et c'est là, évidemment, que on va voir Rousseau accomplir l'un de ses actes, à mon avis, les plus importants, bien qu'il en soit rarement fait état, c'est son mariage civil, qu'il célèbre lui-même parce qu'apparemment il avait compris, comme nous tous ici, ce qu'est le sacerdoce universel, et qu'il avait décidé de se passer de prêtre, surtout dans la mesure où en France on ne pouvait se marier qu'avec des prêtres catholiques, alors ce n'était pas possible évidemment pour Jean-Jacques d'entreprendre une telle démarche. Donc Rousseau prononce lui-même l'un des premiers mariages civils, sinon le premier mariage civil de l'histoire de France. Et je crois que c'est véritablement là l'un des actes fondateurs de ce que nous appelons la laïcité. Au souverain individuel ou collectif de poser les articles d'un code civil utile à l'État. Que nous dit Rousseau ? Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncer avec précision, sans explication ni commentaire, l'existence de la divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du contrat social et des lois, voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c'est l'intolérance, elle rentre dans les cultes que nous avons exclus. Et parmi les actes collectifs qu'il s'agissait tout naturellement d'arracher à l'Église catholique en premier lieu, et j'ai envie de dire aux Églises dans leur généralité, il y avait évidemment le mariage dont le protestant Rousseau souhaitait qu'il devint un acte purement civil, en faisant clairement allusion à tous les réformés qui, depuis la révocation des édits de Nantes, ne pouvaient plus légalement contracter des unions régulières. Le mariage civil, introduit par la Révolution et maintenu par la République, semble bien être chez Rousseau l'une des expressions les plus visibles de cette religion laïque dont le contrat social souhaitait doter la société. Quelle meilleure solution en somme pour éviter que le clergé ne s'arrogeât un droit de regard sur les doctrines et sur les mœurs ? On aurait tort de considérer à ce titre que le chapitre sur la religion civile relevait de la pure spéculation. Il avait pour Rousseau même des implications considérables. En tant que protestant genevois, il ne lui était pas théoriquement possible de se marier en France ou d'y fonder une famille. L'anticléricalisme des développements sur la religion civile renvoie d'abord à cette situation personnelle, et je voudrais vous citer cette phrase magnifique qui montre bien ce qu'était la situation des protestants d'Ancien Régime. L'on tolère, c'est dans le contrat social, l'on tolère et l'on proscrit, donc vous voyez, double peine en quelque sorte, l'on tolère et l'on proscrit à la fois le peuple protestant, on veut à la fois qu'il vive et qu'il meure. Et avant d'expliquer la situation juridique inextricable qui était faite aux concubinaires réformés sur le plan juridique, il laissait percer sa compassion envers ces pauvres coreligionnaires. Le pauvre malheureux a beau se marier et respecter dans sa misère la pureté du lien qu'il a formé, il se voit condamné par les magistrats, il voit dépouiller sa famille de ses biens, traiter sa femme en concubine et ses enfants en bâtards. Le tout, comme vous voyez, juridiquement et conséquemment aux lois.
Cette situation est unique, concluait Rousseau, et je me hâte de poser la plume, de peur de céder au cri de la nature qui s'élève et gémit devant son auteur. De tous les chapitres du contrat social, à mon sens, celui sur la religion civile est le plus prophétique. Il prend en compte la sécularisation de la société qu'a provoquée l'attitude intransigeante du trône et de l'autel en défendant un monopole ecclésiastique dépassé. La coexistence religieuse forcée des catholiques et des protestants avait peu à peu vidé le mariage de son caractère sacramentel ou pour le moins sacré. L'on comprend mieux dans ce contexte la portée juridique de la religion civile. L'auteur du contrat social en appelle à une dissociation salutaire entre la citoyenneté et l'appartenance confessionnelle. Il n'est du reste pas étonnant que la question du mariage soit abordée dans un essai sur le contrat social. Le reproche majeur fait aux protestants n'est-il pas de rejeter le caractère sacramentel de l'union entre un homme et une femme en la transformant en un simple contrat ? Ne poursuivait-on pas qu'ils avaient introduit, les protestants, le même principe dans l'État en considérant les liens entre le roi et ses peuples comme un contrat, lui aussi, c'est-à-dire un contrat révocable, comme vous pouvez vous en douter. Quand on n'est plus content du gouvernant, dans le fond, on lui dit adieu, on prend congé. C'est un excellent principe, à mon avis. Or, qu'est-ce qu'un contrat, sinon un accord révocable, le cas échéant? Il n'était pas possible, expliquait-on au lendemain même de l'apparition du contrat social, d'accorder le mariage aux protestants sans donner atteinte à la sainteté du mariage. Les formes de la nuptialité étaient strictement parallèles aux formes de la citoyenneté. Selon une conception très ancienne, véhiculée par la Bible, les relations entre les époux n'étaient-elles pas l'image de l'amour de Dieu ou du roi pour son peuple? La contractualisation du mariage équivalait à une laïcisation de la société. Le chapitre sur la religion civile n'est pas un ajout, il s'intègre parfaitement dans la démonstration. La forme contractuelle s'impose dans la famille comme dans l'État. Cette pente séculière résulte de l'évolution des mœurs. Des éléments de religion civile existent de façon plus ou moins avouée, plus ou moins avouable. La religion civile s'entend chez Rousseau du lien social conformément à l'étymologie latine du mot. La religion vient, selon l'explication la plus communément admise, de religio. Il s'agirait littéralement, c'est une hypothèse uniquement, de relier les hommes à Dieu ou de relier les hommes aux autres hommes. Cette religion civile n'est donc pas le christianisme. Et l'on pourrait dire qu'elle ne repose pas sur une confession de foi très personnelle, mais bien plutôt sur des articles utiles à l'ensemble de la société. S'il fallait lui donner un équivalent actuel, c'est sans doute vers la société américaine que l'on pourrait se tourner. Le patriotisme s'y accompagne de manifestations rituelles qui doublent, sans les déplacer nécessairement, les pratiques cultuelles. Et vous savez que la majorité de nos journalistes ne comprennent strictement rien à la réalité américaine. Dès qu'il s'agit de religion, c'est une catastrophe. Ils envoient tous les protestants régulièrement à la messe. Enfin, c'est une horreur. Il reste à parler effectivement de ce mariage dont nous avons, qui est une cérémonie purement laïque, et nous en avons un récit que nous avons repris, mon épouse et moi-même, dans notre livre consacré à Jean-Jacques Rousseau. Et l'on voit devant témoin Jean-Jacques Rousseau et Thérèse Levasseur échanger leurs paroles de consentement dans une atmosphère évidemment attendrissante, tout à fait le 18e siècle, un tout petit peu larmoyant quand même, et pleine d'émotion. Malheureusement, on n'a guère conservé la trace des paroles exactes prononcées par Jean-Jacques ce jour-là. On sait seulement qu'il parla de l'amitié qui les unissait ensemble depuis 25 ans et de la résolution où il était de rendre ces liens indissolubles par le nœud conjugal. Il demande donc à Thérèse si elle partage ses sentiments, et sur un oui prononcé avec le transport de la tendresse, Rousseau, tenant toujours la main de sa promise, prononce un beau discours où il fait, citation, un tableau touchant des devoirs du mariage.
On n'en sait guère plus, ni sur cette cérémonie, ni sur ses devoirs. Toujours est-il qu'un mois et demi plus tard, Rousseau écrit à l'un de ses fidèles « Vous savez sûrement que ma gouvernante et mon amie et ma sœur et mon tout est enfin devenue ma femme. » Les actuels débats sur le mariage, je reviens un peu vers le présent, montrent la nécessité d'une réflexion approfondie à laquelle plusieurs protestants, ça arrive parfois, se sont associés. Je pense en particulier à plusieurs numéros récents d'Évangile de liberté, je ne sais pas si on a le droit de citer Évangile de liberté ici, je pense que oui. Donc, Évangile de liberté, en février-mars de 2013, vous avez des choses très intéressantes de la part de protestants sur le mariage. Si le mariage est un contrat, si le mariage est un contrat civil, il est évident qu'il appartient à la société de légiférer. Mais, contrairement à ce que l'on entend parfois à l'heure actuelle et que je déplore pour ma part, ce n'est pas là que tout se termine. Le débat est terminé. Je dirais que c'est là que tout commence. Car un certain nombre de questions demeurent, et en particulier celle de la filiation. On a un peu l'impression, à lire certaines contributions au débat, que l'individualisme affectif, s'il peut fonder une relation durable, ne suffit pas pour fonder une famille. C'est cette question de l'enfant, de la famille, de la paternité et de la maternité qui refont surface aujourd'hui. À ma connaissance, elles ne sont pas tranchées, ces questions. Et ce ne sont pas quelques mesures passées à la hussarde qui pourront totalement nous satisfaire sur ce plan. Espérons que les protestants pourront là aussi jouer un rôle à l'interface entre les églises et la société laïque. Si ce message est entendu, après tout, il s'agit simplement d'être le sel de la terre, ou peut-être de le redevenir. Amen.